good. Vous avez un infirmier, je ne sais pas si on vous l'apprend, mais c'est un métier très noble et le plus compliqué. Vous savez pourquoi? C'est pas que le docteur n'est pas noble, mais l'infirmier, malheureusement, est celui qui a le patient tous les jours à ses côtés. Le médecin vient, il voit les constantes, il donne les prescriptions et il va chez un autre patient. Mais l'infirmier, il passe tout son temps avec le patient. Et l'infirmier encore, il est plus en contact avec le patient, il doit donner de l'amour, de l'empathie, de la compassion. Parce qu'un patient qui est là, il souffre. Et il espère avoir quelqu'un qui lui donne, qui a une horreur pour parler avec lui. Et l'infirmier, il doit faire ça. Il est à la fois le psychologue du patient, il est à la fois la famille, il est à la fois aussi celui qui prend soin. Et l'infirmier essaie de donner des médicaments au patient. Et vous êtes un homme, vous devez être fier de votre métier. Parce qu'on ne vous le dit pas très souvent. Est-ce qu'on vous dit que vous avez un métier très noble? Parce que vous êtes payé très bas, votre salaire est très petit, mais votre métier est riche. Il y en a plus. Je vais voir ma table de gynéco. La table de gynéco avancée. Pas bon état, donc c'est l'ancien tas qui est là. Il faut voir. Mais où sont les pour les pieds là? Ah, mais c'est, ça tient pas. Donc il faut une deuxième table alors. Il faut une deuxième table. Vous aurez ça la semaine prochaine. D'accord. Vous aurez la table la semaine prochaine. Et donc les femmes accouchent sur ça. Il y avait une seule table là. Hein? À terre. Parce que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Comme ça, elles risquent de tomber. Donc les femmes accouchaient à terre ici. Maintenant, c'est après l'accouchement pour les révisions, puisqu'elles ont bien expulsé. Je les mets là pour les réviser. Ça, c'est un peu la plus aussi. D'accord.
n'ai pas beaucoup de moyens, mais je vous envoie une autre table. Merci. 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 Et là-bas, quelqu'un les accouche, on les met là-bas ou bien? Non, c'est là. Attendez, on va passer. Vraiment, vous êtes gentil, sérieux, vous êtes gentil. On peut pas faire commencer sur lui superposé, ma chérie. Ah, les femmes qui viennent accoucher, lui superposé. Point troisième lit. Voilà. Ici au milieu, voilà. Allez, où point troisième lit? Ici, quoi. D'accord. Donc, la table de gynéco, plus un troisième lit. Vous avez ça la semaine prochaine. Alors, rappelez-vous, tu ne vois pas encore. Bon, tu sais, janvier, pourquoi Nana? Nana, c'est quand nous regardons en direct. Et on peut faire des commentaires. Quel est le rôle des députés? Après, non, parce que pourquoi nous n'en avons pas fait? Pourquoi c'est maintenant fait? Pourquoi ça a insulté à l'air? Pourquoi il était? Et pourquoi ça, il n'a pas fait qu'un thème? Encore, à mes vies, le fait qu'on l'a dit, ça coupe ici. Non. Ça coupe ici? Non. Mais il avait quand même dit un sens de santé à Dieu. Et puis, on trouve très beau. Ah, petit bon de beau. Ah, mais maintenant, il y a des députés, maintenant, pendant les élections, ils font ça. Vous pouvez les questions, ça va aussi, sur Facebook, là. Ils sont graves, hein. Ah, ils sont faux, hein. Donc, ils vous posent toutes les questions. Ça fait un candidat, là. Ils te posent la question. Pourquoi, là, c'est maintenant, vous faites ça? Alain Le Bougnon, il est député. Jusque-là, le député en fonction de la circonscription électorale qui prend en compte Bagbam, Daïri, y compris Omodou et puis Fresco. Donc le député, même s'il n'a pas de budget pour n'a pas de budget d'investissement, mais il a un cœur pour penser à sa population. C'est pour ça, au lieu de distribuer des motos comme les autres le font, il a estimé qu'il faut plutôt réhabiliter le centre de santé qui prend en compte, qui prend soin des parents malades et qui prend soin des femmes qui accouchent. Parce que la distance entre Okomodou et Fresco est une longue distance. Et pour éviter que des femmes meurent en couche au cours de leur transfert à Fresco, il a préféré, depuis sa cellule de prison à la, où il est illégalement et injustement détenu, il a pensé aux populations de Komodo. Voilà ce qui explique que, depuis sa cellule, Alain Le Bougnon a pensé aux populations de Komodo qui souffrent, malgré qu'il y ait un conseil régional qui prend en compte ici et qui ne fait rien. Non. Le Bougnon, sa cellule. C'est bon. Non, il faut le dire. La question m'a été posée. La question m'a été posée. Donc, le Bougnon, depuis sa cellule, a pensé aux populations. Voilà. Et s'il était libre de tous ses mouvements et qu'il avait ses comptes bancaires, le Bougnon aurait fait mieux. Parce qu'il a même commencé à faire tout ça là et on l'a mis en prison. Tout ça s'est arrêté. Mais quand même, il ne s'est pas tué. Il continue de le faire. Donc, ce qu'on retient, c'est que ce n'est pas le rôle du député de faire. Mais le député, il a un cœur qui pense à sa population. Et donc, quand il était maire aussi, son pouvoir n'arrivait pas ici. Ça quand dépendait pas de maire, lui. La mairie n'arrive pas ici. Mais néanmoins... Ici, ça dépend de qui? Ici, ça dépend du conseil régional. Okay. Qui ne fait rien. Je le dis, qui ne fait rien. Sinon, on ne peut pas... La réhabilité, la grande école primaire. Voilà. L'école primaire n'a pas de toit. Oui. Les enfants étaient sous les petits bureaux pour étudier. C'est le voyant qui a rétabli. Dès qu'il a arrivé au Chrome net, il ne s'est pas déplacé. Il a donné 7 paquets. Le sol, sans compter ciment pour réhabiliter l'école primaire et d'aller pour que les enfants soient dans les bonnes conditions à l'école. Auquel la passe son premier chemin. Donc, Dieu le voulant, ce n'est qu'un début du commencement avec l'aide de Dieu. Il va aller au-delà de ça, si Dieu le veut. Alors, ok. Auquel en baignant la canne, allez les nanani tolier. Faut demi-sanou bien serré là. Allez te faire demi-sanou bien calan qui est brosso qu'on a. Allez te faire demi-sanou bien calan qui est tolité bon du coup là. Ni fonion boulila. Demi-sanou est signé signé.
Donc allez me faire des sons yéni. Ni qu'à aller le bonon yana bi. Bam son ni pacho le lola le propre. Allez faire des sons pour yéni. C'est ça. Donc on a ni toli. Quand on a ni chenchen yé. Ta kla ta fanyé no promo du ya. A promesse. A te se ka don doni kenyo kan ka des sons go sege la wa. A l'autre on est avec un kémé flabo. Et qu'on le mette ou kabo, d'autre ou kabo, un bec kabo, un kaye kon so toli ni an ka nyoko de me ka lavine. Mais tchana de me te. Alina nan ambadou. Donc, on y a eu un barraque, barraque de la pension. On y a eu un chessri. Nous sommes cassés là, bien, un bel million moussouyala. Il y a eu un chéa, il y a eu un kajou. Mais il y a un voilà la cayenne, il y a eu un tourmina. Parce qu'il y a un chéa, il 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 y a un chéa. Ni wali be sa be miriwa ni dembo la be miriwa me ni kai dale kasla na be kasla mu le kama surtout en mousso c'est que ni ban kan wanto be bla bla chi la yano be se fresh pour mesa mais dans les voilà na dote par la kan donc ay sabari le bonyon ko koni ne be sala ne be na sala pla ni mambe sa goup be la di be sala donc ay sabara ay wulanye lo ay chesiri ay bati le bonyon ko Akamika kou anka na nina. Anka na tika domlin flede ale mati. Kou anka ni domlin ni take gri ale bena. Kou anye sabala ye wuli kalo. Anye lo bonyo kote. Faites parler votre cœur pour Kromoudou. Je ne veux pas d'argent, je veux des dons en nature. D'accord, après, on dit, je veux des dons en nature, des médicaments. Je mettrai une liste sous ce poste de médicaments et de kits d'accouchement pour les femmes. Pour qu'elles puissent accoucher. Tranquillement, que les infirmiers puissent travailler aussi plus facilement avec ses patients. Merci. Fin du direct. Merci.